Anthony De Oliveira qui va revenir avec nous sur sa fantastique victoire ici au G1, puisqu'il est champion de l'épreuve. Du G1. Ouais, une épreuve rondement menée avec quelques combats notamment magnifiques. Raconte-nous tout ça parce que c'était vraiment impressionnant. Alors G1, une belle organisation auquel je fais ma seconde participation. Combat dur, premier mené contre un élève araigné que j'ai déjà rencontré, donc Willem. Les élèves araignées, je les rencontre souvent. Lui, pour Arsa, que je vais rencontrer en demi-finale, connaissent bien mon jeu. Donc, combat dur, tactique, mené au point en fait, de 2-2 et 6-6, gagné aux avantages. Et une finale contre Sifax. Sifax, on se connaît très bien, on a fait déjà des phases finales ou des demi-finales dans des tournois comme le Naga. J'applique mon jeu sur Sifax, ça passe, j'arrive à finaliser sur un triangle. Gagne la ceinture. Une magnifique victoire donc. Est-ce que tu as déjà d'autres compétitions de prévues ou... Et dans 15 jours, je pars à Rome faire les européennes Nogi de la Fédération française internationale, les BJJF. Et ensuite, il y aura les championnats de France, donc FFL, en avril, pour se qualifier pour l'équipe de France. Donc là, je serai au rendez-vous. Et ça va s'enchaîner, championnat du monde, les BJJF. Bah écoute, un bien bon combattant en tout cas pour une bien belle performance aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à très très bientôt. Au revoir.